Alors c'est comme ceci que tout a commencé. 6 juin 1994, 50e anniversaire du débarquement. François Léotard, ministre de la Défense, attend l'antenne pour une retransmission en direct du journal de TF1. Étienne Moujotte, vice-président de TF1, est à ses côtés. La caméra est branchée, il l'ignore. Extrait. Je sais pas, oui, ça serait une liste de chefs d'entreprise, plus ou moins, si j'ai bien compris. Et lui-même l'a laissé entendre, mais il m'a pas dit de nom. Et je lui ai posé la question. Il y a des adjoints, Arnaud, le docteur Arnaud. Il y a le docteur Arnaud, oui. Alors peut-être, ouais. Il ferait une liste RPR, alors, enfin... Je sais pas, moi j'ai dîné avec lui l'autre soir, il avait l'air surtout décidé à y aller. Oui, oui. Puis là, il y a Echter. Oui. C'est pas le péril. Non, mais effectivement, c'est Corbière qui s'est des... Alors lui, il s'agit de beaucoup. Moi, je l'aime bien, parce que c'est un copain, on court ensemble, etc. Mais je sais pas, j'arrive pas, j'ai du mal à savoir quelles sont ses chances. Et... C'est très compliqué, à savoir. Bossé laisse quand même le vide derrière lui. Ouais. Puis c'est vrai qu'il n'est pas bon. Donc, et puis il n'est pas bon. Il y a plein de gens que ça attire. Les finances sont dans un état épouvantable. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai pas assez de temps. Alors c'est vraiment un full-time job, hein. Faut vraiment être là tout le temps. Hein. C'est... Ça sérieusement, moi là j'ai pas le temps. Plus on a... C'est vrai qu'on continue dans notre développement. Bon, derrière LCI, on a quand même l'idée de faire probablement une sorte de bouquet satellite. Oui. Donc, bon, c'est... TF1 est très prenant quand même. Oui, oui. Comment marche LCI alors? Très bien. Bien. Très bien. Alors notre problème maintenant, c'est que on a 700 000 foyers câblés. On a... Parce que moi, je prends mon exemple. Moi, je suis sur satellite. Je ne l'ai pas actuellement. Tu es sur Télécom de B. Je ne sais pas lequel. Oui, je crois. Je ne sais plus lequel. Tu devrais l'avoir. Oui. Ça, c'est parce que... À mon avis, tu es sur Télécom de B. Tu devrais l'avoir. Ah oui, il faut que tu demandes à ton... Faut que je regarde à ton installateur. Non, notre seule inquiétude, là, c'est le... C'est la révision du cahier des charges du service public. Ouais, parce que tous les prétextes sont bons pour essayer de faire des coupures de pub. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai eu Patrick au téléphone, Italie, il m'a dit oui. Ça. Ouais. Ah, ça inquiète. Ouais. Parce que c'est simple, là, il y a 150 à 200 millions, enfin disons 150 millions. Qui... Ah oui, bon, c'est bien sûr, hein, bien sûr. Hier soir, à Barbès, à Pigalle, les policiers ont poursuivi leur travail après 6 mois. Bien sûr, tout ça rassure pour les femmes seules. Ça aussi, c'est quand même la marque d'un changement très important de voir que les mesures antiterroristes sont très, bien. Très largement publicitées. Moi, je vois, j'ai mon dernier fils qui a 18 ans, qui est quand même assez anti-flic, etc. Là, il m'a dit non, mais là, c'est normal. Là, c'est normal, le terrorisme. Alors ça, ce sont des images qui avaient été captées juste avant un journal télévisé, où l'on pouvait voir une certaine familiarité, disons, entre un important membre du gouvernement, lui là, et un journaliste influent devenu vice-PDG d'un des médias les plus puissants de France, Étienne Moujotte, de TF1. Alors c'est le canard enchaîné qui avait dévoilé l'existence de cette conversation, évoquée ensuite par d'autres journaux de presse écrite, ainsi que par une station de radio, puis reprise par ce magazine, mais qui n'était passée sur aucune chaîne de télévision en France. Il le sait très bien. On peut dire que toute votre communication sort dans le cadre Régile, comme vous êtes en... Ah bon. D'accord. Bien. Voilà. Ça, je n'ai pas fait attention. Alors, ces images auraient dû normalement passer sur la chaîne franco-allemande Arte, dans le cadre d'un magazine voilà, qui s'appelait Brut, puisqu'elles figuraient dans la maquette de l'émission, dans le numéro 0. Mais Jérôme Clément, le PDG de la chaîne, y avait mis son veto, les avait fait retirer de l'antenne, et c'est quasiment à la même époque que la chaîne cryptée Canal+, envisageait de consacrer une journée au rapport entre la télévision, le pouvoir, la morale. Et dans cette lettre d'intention, ils envisageaient de donner carte blanche aux producteurs et diffuseurs qui seraient intéressés par ce thème. Vous recevez la télévision, merci d'être chez vous, bonsoir. Bonjour, 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 salut. Alors, Canal+, se voulait la chaîne de télévision française la plus insolente, la plus impertinente, censée montrer les choses que l'on ne voyait nulle part ailleurs. Et j'avais déjà eu l'occasion de travailler pour eux,
Il m'avait notamment commandé un court-métrage avec Kiki Picasso, un ami artiste infographiste, dans lequel nous donnions libre cours à notre imagination en matière de manipulation d'images et de trucage vidéo. Et nous avions fait cela dans le cadre d'une émission qui s'appelait La Journée de la télé. Celui-là, là, qui est assez atteint. C'est un type de Canal+. Mmh. Tu sais que c'est pour cette chaîne qu'on fait le sujet. Ah bon ? Ouais. Et c'est cette même émission qui avait choisi de s'intéresser 2 ans plus tard, en 1995, aux relations entre la télévision, le pouvoir, la morale. Alors pour bénéficier à nouveau d'une carte blanche de Canal+, il fallait que je m'adresse d'abord au responsable de la journée de la télé, qui m'avait déjà commandé le sujet précédent, Philippe Dana, lui là. Comme à l'accoutumée, je lui avais envoyé un projet écrit, qui s'intitulait cette fois-ci « Document interdit », et dans lequel il serait question des tabous et de l'autocensure à la télévision française. J'expliquais qu'on chercherait à apprendre de la bouche des principaux responsables de l'information les raisons de la non-diffusion de ce document. Je parlais là du document Moujotte-Léotard que je m'étais procuré entre-temps et qui pouvait servir à illustrer certains aspects du thème, la télévision, le pouvoir, la morale. Maintenant, restait à savoir si Canal+ allait sélectionner mon projet d'enquête. Bonjour. Bonjour, je parlais à Philippe Dana, s'il vous plaît. Allô ? Philippe Dana ? Oui. Oui, Philippe Dana ? Oui. Oui, bonjour, Pierre Carl, pareil. Bonjour, Pierre Carl. Oui, ça va ? Ouais, ça va. Bon, je viens de... On est un peu long à répondre, hein. Non, à peine. Non, je voulais savoir si ça avait une chance d'être fait ou pas, tout simplement. Très honnêtement, on n'en sait rien encore. Ouais. C'est un qui veut dire gêne ou... Non, on va parler clairement. Pour nous, c'est une espèce de missile exocet. Ouais. De diffuser ce document, donc ça nécessite que Pierre Lescure soit au courant, ce qui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir encore, ni Alain ni moi, ouais, sur ce sujet-là. D'accord. Et donc ça passe par Pierre. Donc là, ça dépasse mes propres compétences, et la décision finale, c'est Pierre Lescure qui la prend sur ce dossier-là. D'accord. Je suis clair. Ouais, bon. C'est un, j'y peux rien, mais j'attends que Pierre puisse me voir, et pour l'instant, il m'a pas filé rendez-vous. D'accord. Et sinon, De Greff, lui, serait d'accord pour produire le sujet ? De Greff... Il est partagé. De Greff dit qu'il faut en parler à Pierre, que c'est un dossier trop politique pour qu'on n'en parle pas à Pierre. D'accord. Pierre Lescure était le PDG du groupe Canal+, à gauche sur l'écran, là, et Alain De Greff, son adjoint, à droite, faisait lui office de directeur des programmes de la chaîne. Bien, mais... C'est sûr que nous, on a envie, mais après, sur un plan plus politique, ça dépend aussi de l'état de nos relations avec TF1, de comment on... En même temps, c'est un sujet qui est vraiment... qui est tout à fait dans le sujet, quoi, c'est ça. Ah, mais ça ne nous a pas échappé, c'est pour ça qu'on a envie de le faire, donc là, tu prêches des convertis, y compris Alain. Donc, si on en est là, c'est-à-dire si on attend de voir Pierre Lescure, c'est que vraiment, ça nous pose un cas qui dépasse nos compétences, enfin, en tout cas la mienne, ma compétence. D'accord. Alors, ça se passait en 1995 et non pas en 1994. J'avais en fait mal réglé ma caméra, là. Et ça, c'était 3 ans plus tôt, lorsque j'avais commencé à enregistrer mes conversations professionnelles avec les gens des chaînes de télévision. Il n'y a que PPDA qui est un peu énervé, quoi. Mais en même temps, moi, PPDA, qu'est-ce que tu veux ? Je le connais bien, Patrick. Il m'appelle en disant, oui, t'es une ordure, j'ai dit, t'as qu'à interviewer Fidel Castro. Là, c'était à l'animateur Thierry Ardisson que je parlais au téléphone. Qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde ? Je le connais, Patrick. C'est un feignant de première, tu vois, qui récupère tout à son profit, qui en fout pas une date et qui récupère tout à son profit. Il sait que je le sais, tu vois. En fait, si j'avais pris la précaution d'enregistrer mes conversations avec mes interlocuteurs du petit écran, c'est parce qu'à cette époque, Hervé Bourges, le PDG des chaînes de services publics, cherchait à protéger TF1 et son journaliste vedette Patrick Poivre-d'Arvor, qui avait diffusé une fausse interview de Fidel Castro, le chef d'État cubain. Et je tenais à garder une trace de cette histoire et de la volonté de Bourges d'étouffer cette affaire. Mais Bourges, il doit être mal, là. Bon, il est vert de rage, ouais. Vert de rage, je les ai tous eus hier au téléphone, il est très énervé, il m'a fait porter une lettre ce matin en m'expliquant que il fallait pas parler politique à la télévision, il fallait pas dire du mal de ci, pas dire du mal de là, enfin si tu veux, c'est l'enfer, ouais. Ça va se terminer, si je l'écoutais, sa lettre, ça serait tourné malège mon émission. Ça c'est le jour où la réponse de Canal+ tomba. Ce matin, donc a priori on y va.
On y va. Donc Canal+ était d'accord pour que je mène mon enquête sur les raisons de la non-diffusion du document Moujotte-Léotard. Et c'est donc muni de notre missile Exocet, puisque c'est ainsi que Philippe Dana l'avait surnommé, que nous sommes allés rendre visite aux responsables des magazines d'information des différentes chaînes de télévision françaises. J'espère que c'est pas un serpent, parce que j'ai horreur des serpents. Si, si, c'est un serpent. Alors, je vais vous montrer un document, vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Donc on est très open, vous voyez, on a même un système de Walkman vidéo. Et vous allez me dire si c'est possible de passer quelque chose comme ceci, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Allons-y. Donc c'est un document qui concerne un homme politique. Hein. Et je voulais savoir simplement si... Qu'est-ce que c'est votre engin? C'est un petit Walkman vidéo, donc on peut voir les images. C'est quoi comme document? Vous allez voir, c'est un truc que vous connaissez sûrement. Et c'est quoi votre question? Alors j'en ai plusieurs. Juste, je vous mets. Là, ce n'était pas moi, mais Hector Obalk, un ami, à qui j'avais demandé de réaliser quelques interviews, notamment celle de Charles Villeneuve, le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Le Droit de Savoir sur TF1, ou bien encore Bernard Benyamin, le responsable de l'émission Envoyé Spécial, qui découvre ici le document. Entre Étienne Moujotte et François Léotard. Je vous laisse l'écouter une seconde. Alors c'est Étienne Moujotte. Avec François Léotard. C'est François Léotard, de dos. C'est pas lequel, je sais plus lequel. Certainement, là, je regarde mon installateur. Non, notre seule inquiétude, là, c'est la révision du cahier des charges du service public. Parce que tous les prétextes sont bons pour essayer de la plus vite. C'est la révision du cahier des charges du service public. Parce que tous les prétextes sont bons pour essayer de la plus vite. Donc on voit, disons, ce qu'on pourrait appeler du lobbying. Oui, c'est-à-dire que là, Étienne Moujotte a la chance d'être avec Léotard. Oui. Il va sûrement réaliser avec lui une interview, j'imagine. On l'entretient. Non, pas du tout. Il passait par hasard, je pense. C'est par hasard? Oui. Mais en tout cas, il en profite pour laisser passer le petit message. Bon, et alors ça, ça prouve pas. Vous parlez de la connivence en politique? Pas la connivence, disons, c'est un peu du lobbying, ce que fait Moujotte auprès de Léotard à ce moment-là. Et enfin, ça, moi, je l'ai jamais fait à la télévision. Je l'ai vu dans Le Canard enchaîné, qui a publié des extraits de la conversation, mais à aucun moment... Mais attendez, allez-y, ça continue à tourner, là? Vous voulez pas... Hein? Si, d'accord, oui, mais allons-y. Oui, allons-y. Je veux dire que vous voulez faire croire aux gens que les dirigeants de sociétés de télévision n'essayent pas de défendre leurs intérêts? Attendez, ce sont des gens qui se connaissent, qui se tutoient, en plus, hein, donc ils se connaissent depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi ils ne parleraient pas de ces choses-là quand ils sont entre eux. Moi, ça me... Je veux dire, ça... vous imaginez ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est dix fois ce que l'on vient de voir. Et ce sont même, ça peut aller jusqu'à des menaces, etc. Oui, mais ce sont des amis de 25 ans. Ce sont des gens qui se sont connus avant que l'un soit au niveau où il est aujourd'hui dans l'entreprise de TF1 et l'autre ministre de la Défense, avant même qu'il soit politique, il était sous-préfet. Et Étienne Moujotte n'était même pas stagiaire journaliste sortant de sciences politiques. Il y a donc une communauté, une sorte d'intimité, de familiarité qui font que tous les deux discutent beaucoup de ces problèmes-là. Je suis bien placé pour le savoir. En fait, nous ne cherchions pas à savoir s'il était normal ou anormal que Moujotte et Léotard soient amis ou se tutoient. Ce n'était pas là l'objet de notre enquête. Nous voulions simplement comprendre pourquoi la télévision ne parlait jamais de ces choses-là. Un journal satirique qui s'est spécialisé dans les actions de contre-pouvoir et d'assainissement de la société est parfaitement dans son rôle en le montrant. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi une télévision dont les journaux sont regardés par 10 millions de personnes montrerait ce document-là aux gens. Je ne suis pas du tout sûr que les gens soient demandeurs. Si vous voulez, moi je crois que... Je crois qu'on ne peut pas ériger en principe qu'il y a pour les gens un droit à tout connaître. C'est quelque chose d'extrêmement pervers. C'est quand même sorti. Non, pas la télévision. Si, attendez, pas la télévision. C'est sorti dans les radios, c'est sorti dans la presse écrite. Sauf à la télévision. J'avais entendu, il me semble, à la radio, je ne sais plus laquelle. Oui, peut-être extrait, à la radio. Pas la télévision. J'avais pas vu le document. Pas la télévision. Je trouve, simplement, je m'interroge, pourquoi... Non, mais vous avez raison de vous interroger.
Vous avez raison de vous interroger. Simplement, quand moi je vais sur le terrain et que les gens m'interrogent, ils ne m'interrogent pas là-dessus. Ils m'interrogent sur leur quotidien. Non, j'aurais aimé le passé. J'aurais aimé le passé dans le sujet sur la complicité entre un homme politique et un journaliste. Parce que ça parle. Mais je ne l'avais pas, cette image. D'accord. Et aucun de vos reporters, la personne qui a fait l'enquête, n'était pas au courant de l'existence de ce document. Disons que je plaide coupable, je ne savais pas que ça existait. Je savais qu'il y avait eu à un certain moment une conversation entre Moujotte et un homme politique, mais c'était Léotard, mais il y a eu une autre histoire, non? Non, je crois pas. Alors pourquoi ne figure-t-elle pas en télévision? Pourquoi on les a pas suffisamment vues? Je pense que, je connais pas bien le sujet, mais il doit y avoir une espèce d'autocensure, parce que même ça fait mal à tous les journalistes, quels qu'ils soient, de montrer à quel point ils peuvent entretenir des liens de complicité avec les hommes politiques. En termes d'image par rapport au grand public, effectivement, ça pose un problème. Donc je pense qu'il y a certainement, d'une façon générale, une espèce d'autocensure à montrer ce genre de document. Alors, mis à part ce journaliste de M6, spécialisé dans les médias et la publicité, la plupart de nos interlocuteurs avaient plutôt cherché à esquiver la question. Voilà. Pourquoi ce genre de choses ne passe pas à la télévision aujourd'hui? Bon, alors d'abord, c'est pas moi qui prends la décision de ce genre, je veux dire. Bon, donc, je vais pas vous dire, alors ça serait facile de dire, moi je décide ceci, moi je décide cela. C'est quand on est directeur qu'on décide ceci ou qu'on décide cela. Vous pensez pas qu'il y a des phénomènes d'autocensure de la part des journalistes aujourd'hui? D'autocensure, non pas de censure. Mais bien sûr qu'il y a de l'autocensure, mais qui nous impose l'autocensure? Le public? Le public. Moi, je dis que la principale pression qui pèse sur des gens de télévision qui s'adressent simultanément à 3 millions, 4 millions, 10 millions de personnes, c'est la pression de l'opinion publique, ce que l'opinion publique est prête à accepter. L'autocensure, honnêtement, non. Pour la seule raison, d'ailleurs, c'est qu'on est en concurrence. On est en concurrence entre médias, entre journalistes, entre missions. Et donc, pourquoi est-ce que les uns se censureraient par rapport à d'autres qui, au contraire, auraient l'air d'être plus libres? Je crois que ce serait un très mauvais calcul. Et je vois que vous voulez toujours revenir à cette affaire de vidéo, mais l'investigation et l'attente du public ne se réduit pas à ce cas de figure. Alors, je comprends que vous ayez envie pour votre sujet d'avoir un exemple, et je suppose que ça, vous l'avez fait à tous les confrères que vous êtes allés voir, pour essayer de voir comment ils réagissaient. Mais je ne pense pas que la vraie investigation, elle soit là, et que l'attente du public, elle soit là. Mais vous trouvez normal que les images de la connivence ne puissent pas être diffusées aujourd'hui à la télévision, comme c'est le cas? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune image de la connivence. Il y en a plein. Lesquels? Mais parce que vous faites de cette image-là une image, j'allais dire, culte de votre propre réflexion sur les médias. Mais je veux dire, toutes les émissions, les gens se voient avant, les gens se voient après, il y a des dizaines de trucs ou de déjeuners avec mais des hommes politiques. Mais ça, c'est entre vous, vous, journaliste, avec les hommes politiques. Mais à chaque fois que vous allez dans un congrès, d'un parti politique, vous avez des gens qui disent, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Tu as l'intention de me le dire comment? Mais ça, on ne le voit jamais à la télévision, ça. Comment? On ne le voit jamais à la télévision. Mais rien ne vous empêche d'enquêter là-dessus, puisque vous le faites d'ailleurs aujourd'hui. Non. Ça ne pose aucun problème. Alors, il existait bien un reportage réalisé par Annette Lévy-Villard et diffusé par Canal+, quelques années plus tôt, dans lequel on devinait en effet une certaine connivence entre une journaliste et un ancien Premier ministre, mais il s'agissait tout de même d'une exception. Il y a l'équipe de Canal+, ouais, qui fait, prend quelques images. C'est pour ça que c'est la garantie. Bon, alors, si tu veux, moi je te propose d'insister, toi, sur les thèmes qui te semblent les plus importants. Donc, tu veux revenir sur la paix, sur la monnaie... Mm-hmm. Et les autres, c'est démocratie, environnement, social. Donc là, il préparait un passage à l'antenne. C'est d'ailleurs le contenu. Mais bon, la relation de familiarité qui est celle qui unit... Elle est fréquente dans le métier, je reconnais. Je tutoie la moitié des ministres. Bon, et après? Où est le problème? Je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir avec un homme politique. Il n'y a pas de raison d'avoir avec un homme politique des raisons différentes de celles que j'ai avec les gens que je rencontre dans la vie de tous les jours. Et ni plus révérencieuse, ni moins révérencieuse. Bon, je ne tutoie jamais un ministre à l'antenne. Je ne l'appelle jamais par son prénom en public. Quand j'écris Monsieur le ministre, etc. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de vivre dans le même monde et par conséquent d'avoir des pratiques familières entre nous. L'amitié réelle entre... Il n'y a pas d'amitié réelle. Non, il n'y a pas. Je croyais que c'est ce que vous m'avez dit. Il y a des rapports...
de camaraderie, à des rapports de sympathie, des rapports d'amitié, c'est un peu fort. D'accord. La camaraderie réelle, en tous les cas depuis 20 ans, On se connaît depuis 20 ans, ça ne veut pas dire que nous soyons intimes. Hein. Ce serait un procès d'intention d'aller plus loin. Tout à fait. Bien. Il y a d'autre part un fait, c'est un fait, mais encore une fois, c'est un fait, ça ne veut pas dire que c'est juste que ce soit ce fait-là. Que TF1, en gros, on l'accuse, à tort ou à raison, d'être un peu trop pro-Balladur. À tort ou à raison, attendez. C'est le bruit court, qu'on favorise Balladur, etc. Bon. L'amitié entre Moujotte et Léotard demande peut-être à être éclaircie. Il n'y a pas d'amitié, je n'ai pas dit d'amitié. Vous avez encore dit une fois. Bon, d'accord. La complicité, la familiarité, non, le fait qu'ils se connaissent depuis je longtemps dis et qu'ils se tutoient. Les relations entretenues depuis 20 ans. Ouais. Je n'ai pas dit l'amitié. Peut-être que les journalistes n'ont pas trop envie de dire officiellement au public ce qui se passe à l'intérieur de la cuisine. Parce qu'on pourrait les taxer, effectivement, d'être complaisants et une nouvelle fois de faire partie du même milieu. Quoi. Et c'est vrai que c'est surprenant quand on va à la sortie. C'est rien, c'est juste le boîtier du micro. C'est surprenant quand on va dans les coulisses de ces émissions ou de ces grands médias que sont Europe 1, TF1, etc. On voit effectivement qu'il y a une complicité naturelle entre les journalistes et les hommes politiques que l'on masque quand on est à l'antenne, mais que l'on retrouve dès qu'on est dans le privé, dès qu'on sort du studio, etc. Puisque vous vous rencontrez assez souvent, vous avez donc une certaine familiarité, vous finissez par avoir une certaine familiarité avec eux. Et est-ce que le fait que l'on ne voit pas cette familiarité à l'antenne, c'est-à-dire que vous reprenez vos distances à l'antenne, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, une façon de jouer la comédie? Est-ce que ça peut être perçu comme cela? Vous voyez, c'est-à-dire d'avoir des relations hors antenne qui ne sont pas celles que vous avez avec eux à l'antenne. Oui, enfin, il ne faut pas exagérer. On n'a pas des relations hors antenne qui sont d'une nature extraordinairement différente. Enfin, on fait notre métier, on est amené à en rencontrer toute une palette. Donc, avec tout cela, on n'a pas avec tous des relations extrêmement différentes que celles qu'on a en public. Non, mais reconnaissez que le document que vous me montrez. Non, mais reconnaissez que le document que vous me montrez par rapport à la discussion qu'on avait, qui était le type de relation entre un journaliste politique et un homme politique. On est bien d'accord. Bon, reconnaissez que c'est quand même un cas vraiment marginalissime. Moujotte se prétend journaliste. Et non, non, mais il l'est. Il est journaliste. Non, non, mais il l'est, d'accord. Non, non, mais moi, je et François Léotard est homme politique. Non, mais moi, je ne juge pas Étienne Moujotte, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, d'ailleurs, et de considération, en règle générale. Bon. Non. Moi, je refuse de répondre à ce genre de questions. Je refuse de répondre à ce genre d'affaires. Elles ne m'intéressent pas, sincèrement. En plus, je ne vois pas très bien en quoi ça peut vous intéresser. Mais ça, en tout cas, d'après vous, ça fait partie du domaine de la vie privée. La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fût-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée. Mais je vais vous dire, depuis le début, cette histoire de cassette là, m'ennuie profondément. Je n'ai pas à la voir. Elle n'a pas à être. Vous n'auriez même pas dû me la montrer. Je ne sais pas comment elle est arrivée entre vos mains. Alors, l'un des arguments qui revenait souvent dans la bouche de nos interlocuteurs pour justifier de la non-diffusion du document à la télévision, c'est le fait qu'il s'agissait d'images volées, puisque Moujotte et Léotard ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Et ces gens de télévision semblaient s'offusquer de l'utilisation de telles méthodes pour capter des conversations. Ils trouvaient le procédé répréhensible. Qui reproduisent des choses enregistrées alors que 2, 3, 4 personnes ne le savaient pas. Je trouve pas ça bien. Okay. Je trouve que c'est pas quelque chose de bien. Alors voilà sûrement le type de document auquel faisait référence Bernard Benyamin, qu'il ne trouvait pas bien donc. Les gens sont filmés en cachette. Ce soir-là, alors que nous avions caché des caméras... C'est une discussion à caractère commercial qui va être enregistrée là, à l'insu d'un des protagonistes. Il y sera question d'affaires, un peu comme dans le document Moujotte-Léotard, il était question de lobbying. Et voilà le journaliste qui a réalisé ce reportage. C'était pour le compte du magazine Envoyé spécial, présenté par Bernard Benyamin. Bonsoir. Philippe, je crois qu'il faut d'abord revenir sur les conditions de tournage très particulières pour mener à bien cette enquête. Et je vois pas très D'accord. bien en quoi, quel est votre objectif et votre enquête dans cette affaire. Moi, je refuse de participer à ce genre de truc. Alors, je dirais... Non. Okay. Moi, c'est je vais changer de sujet. Je vais changer de sujet. Non. Quand vous avez fait votre émission non, sur non, l'argent... Non, je préfère qu'on arrête cette interview. Moi, je ne suis pas en posture d'accuser. Mais je comprends non, pas. Non. Est-ce que vous pensez que c'est simplement parce que vous ne voulez pas que la presse enquête sur la presse? Non, mais je m'en fous de ça. Que la presse enquête sur la presse. Ouais. Avec les résultats que l'on connaît. Non. Ah, mais il faut faire les choses bien. Non, je refuse, j'arrête là, l'interview. Non. Mais quand vous enquêtez... Vous arrêtez l'interview. Mais quand vous enquêtez non. sur l'argent des Je m'excuse, mais vous pareil. Arrêtez l'interview. Je crois que tout se sait. Tout se sait. Nous sommes quand même dans une grande démocratie et c'est
C'est une de ces vertus-là, hein, tout se sait. Et il y a suffisamment de journalistes en France pour enquêter. Et si les confrères de la Une n'enquêtent pas sur leurs propres problèmes, ben, il y en a d'autres qui enquêteront, comme vous, par exemple. Non, puisque personne ne le fait. Si, vous le faites. Je vous donne un exemple tout bête. Canal+, par exemple, Télédimanche, qui a vocation à diffuser ce genre de choses, puisque c'est une émission sur la télévision et sur les coulisses de la télévision, s'interdira de diffuser. Je vais vous expliquer une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit... Hector au téléphone. Moi, je vais te m'appeler directement. Donc, il faut que je te parle. Voilà. Alors, quelques jours après la fin du tournage des interviews, Étienne Moujotte, le vice-PDG de TF1, avait appris que nous étions entrés dans les locaux de sa chaîne avec le fameux document. Là, c'était mon collaborateur Hector Obalk qui s'apprêtait à aller interviewer Charles Villeneuve dans son bureau. Et celui-ci avait ensuite alerté son supérieur hiérarchique, Étienne Moujotte. Pourquoi il m'a appelé? Je peux savoir, ça. Je sais pas, moi. Mais bon. C'est con que t'es pas enregistré la conversation. T'as pas une nouvelle de Villeneuve? Non, tu pensais que Villeneuve allait aussi m'appeler? Non, je sais pas. Mais tu vois, c'est que... Comment dire? Je crois qu'ils ont compris, tous, Sinclair, De Virieux, que... En leur montrant, en leur mettant le document sous les yeux, d'une certaine manière, on les mouillait. C'est-à-dire, on les mettait, on les rendait complices, mais simplement du fait d'avoir vu, tu vois, d'avoir... comment dire, c'est comme si c'était un document qu'il ne fallait même pas avoir vu. Je crois que c'est ça ce qu'ils ont pigé, tu vois, en se disant, putain, il vaut mieux qu'on appelle et qu'ils sachent qu'on l'a vu, quoi. Canal Plus, bonjour. Bonjour, je voudrais pas la visite d'Alain, s'il vous plaît. Ça, c'est quelques jours plus tard, alors que nous étions en plein montage du sujet. Villeneuve ? C'est vrai. Oui, Pierre Carl, pareil. Ah, monsieur Carl, comment vas-tu ? Très bien, ça va. Je vais t'appeler, t'as une seconde ? Ouais. Je vais t'appeler parce que je voulais savoir si vous aviez eu un retour de Moujotte concernant Charles Villeneuve, qu'on a interviewé la semaine dernière et qui apparemment n'était pas très content du fait qu'on soit venu interroger à ce moment-là sur l'interview. Si ce n'était que de Charles Villeneuve. Des retours, on en a eu plein. C'est vrai ? On a suivi à la trace votre épopée. Et la plupart des gens que t'as vus. Mais qui t'a eu comme autre réaction ? Écoute, j'ai eu De Virieux, j'ai eu Carolis, j'ai eu Charles Villeneuve. Ouais. Et Alain a eu Moujotte. Et c'était quoi les réactions ? C'était... Ah ben non, c'est pas content, non. Et Moujotte, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit ? Je sais pas. Il a dit à Alain, ça je sais pas. Il l'a appelé en lui disant des trucs, mais à mon avis, du même acabit que ce qu'on dit des autres. Maintenant, on attend de voir le produit fini, j'allais dire. Alors, le produit fini, pour reprendre son expression, s'appelait « pas vu à la télé », étant donné que le document Moujotte-Léotard n'était jamais passé à la télévision. Et il démarrait par la toute première question que nous avions posée à nos interlocuteurs, donc juste avant qu'on ne leur fasse voir la cassette. Y a-t-il des sujets tabous pour vous ? Non, il n'y a pas de sujet tabou. Au sein de l'envoyé spécial. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Il y a simplement... je crois qu'on peut parler de n'importe quel sujet à la télévision à n'importe quelle heure. Il s'agit de savoir comment on va le faire. Le seul élément qui puisse nous faire reculer, c'est la difficulté d'accéder à l'information. Je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, on a envie d'enquêter sur tout. Il n'y a pas de domaine tabou, à votre avis, aujourd'hui, à la télévision française. Il y a des zones interdites. Moi, je crois pas. En tout cas, il ne doit pas y en avoir. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui il n'y a aucun sujet tabou ? Non, il n'y a pas de sujet tabou. En tout cas, pas pour moi. Mais peut-être pourriez-vous me citer un sujet et je vous dirai tout de suite, tiens, c'est vrai, je ne l'ai pas traité. Mais en tout cas, non. Il n'y a aucun tabou, disons, aujourd'hui à la télévision ? Enfin, moi, je ne m'en connais pas. Si vous m'en connaissez, je serais ravie que vous me le disiez. Non, je... Donnez-moi des exemples de choses qui ne sont pas montrées. Je vous dirai ensuite ce que j'en pense. D'accord, mais attendez, mais justement, j'ai un document là. Je vais vous montrer un document qui a été publié par le Canard Enchaîné. Je l'ai en vidéo. Je vais vous montrer ça parce que j'ai un petit... Et donc c'est à partir de ce moment-là que la plupart de nos interlocuteurs allaient se montrer un peu agressifs à notre égard ou faire preuve d'une certaine impatience, mis à part le plus âgé d'entre eux, Jacques Chancel de France 3. Vous verrez, vous êtes jeune, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous serez aussi celui qui tutoie des hommes politiques ou des grands personnages, parce que vous les aurez connus aujourd'hui,
que dans 20 ans, alors qu'ils sont parfaitement anonymes, encore à cette heure-ci, ils deviendront très importants, ils seront en très haute altitude, ils seront au sommet de l'État, et vous verrez que vous aurez avec eux des complicités, à votre tour. C'est ainsi que s'achevait notre enquête pour la journée de la télé de Canal+, sur le thème « La télévision, le pouvoir, la morale ». Et c'est donc cette version du sujet que nous avons envoyée à Philippe Dana, notre interlocuteur au sein de la chaîne, et nous attendions à présent de ses nouvelles. Allô ? Tu regardes ? Oui, Philippe Dana. Salut. Ça va ? Ouais. Bon, j'ai vu. Quel est le sujet ? C'est pas ce que je t'avais demandé. C'est pas... comment ça ? Écoute, c'est pas une enquête sur les rapports entre le pouvoir politique et, et les journalistes de l'audiovisuel. Alors c'est à ce moment précis de la conversation que j'ai compris que Canal+ nous lâchait. Il me semblait en effet que le sujet ne parlait que de cela, des rapports hommes politiques-journalistes. À un moment donné, on a l'impression que t'es une espèce de martien débarqué sur la planète audiovisuelle et que t'as décidé donc de mener une guerre acharnée à Étienne Moujotte et à ses congénères. Alors je sais pas si dans la matière que tu as, il y a moyen d'arriver au sujet que nous on attend. Je ne savais plus trop quel sujet ils attendaient à présent, mais apparemment ils ne voulaient plus entendre parler du document Moujotte-Léotard. Ils ne souhaitaient pas non plus que l'on voie les réactions des journalistes que nous avions interviewés et qui étaient ensuite allés se plaindre auprès de la chaîne. Ça, c'est quelques jours plus tard, lorsque nous avons repris le montage du sujet, afin d'apporter les modifications demandées par Canal+. Heureusement, nous avions d'autres séquences en stock, notamment une avec Patrick Poivre-d'Arvor de TF1, auquel je m'étais pas mal intéressé à une époque. En lisant ce journal, on découvrait qu'il avait été reçu à déjeuner par Jacques Chirac dans son donjon de l'Hôtel de Ville. Chirac était à l'époque maire de Paris. Et ça, c'était 2 semaines plus tard, toujours dans le même journal, où l'on apprenait que PPDA avait joué au football avec quelques amis sur la pelouse du Parc des Princes, qui était gérée par la ville de Paris. Alors voilà des images du match. Là, c'est PPDA qui vient de marquer un but. Et voici Michel Jazzy, à l'époque gérant du parc, à qui j'avais demandé comment PPDA avait fait pour bénéficier de ce privilège. J'ai vu à la télévision, par exemple, que PPDA avait joué avec son équipe d'écrivains. Oui, ça, c'est parce qu'il ne me l'a pas demandé à moi, il l'a demandé à la ville de Paris. Et donc, le maire de Paris, à titre exceptionnel, a accepté de le faire. Sinon, s'il m'avait demandé, il n'aurait pas joué là. D'accord, donc là, ça vient de plus haut. PPDA, qu'il est. Vous avez d'autres demandes comme ça qui sont imposées ? Bon, c'est une demande de... politique qui a été faite, moi personnellement je n'aurais pas accordé. Pourquoi PPDA et pas d'autres ? Écoutons à présent ce que PPDA a déclaré dans cette émission de Canal+. Cela dit, en effet, ne jamais accepter le moindre cadeau d'un homme politique. Je ne l'ai jamais, en ce qui me concerne, jamais accepté. Alors c'est ainsi que s'achevait la séquence avec PPDA, dans la nouvelle version de Pas vu à la télé que nous avons fait parvenir à la chaîne. Pourquoi veux-tu qu'on fasse un sujet pour avoir des problèmes ? Faisons un sujet pour informer. C'est pas un sujet pour avoir forcément des problèmes. Moi, quand je suis leader là-dessus, c'est réfléchis, vois ce que tu peux faire avec ce que t'as comme image. Je te dis pas, allez, tu es voué aux gémonies, etc. Je te dis au contraire, soyons constructifs et voyons s'il y a moyen, avec ce dont tu disposes, d'arriver au sujet que nous attendons. À vrai dire, ils n'attendaient plus aucun sujet de ma part à ce moment-là. Ils avaient fait une croix dessus. C'est dommage, car nous aurions pu nous intéresser également à Michel Denisot, un journaliste de Canal+, qui animait une émission consacrée exclusivement aux coulisses de la télévision, qui s'appelait Télédimanche. La définition de Télédimanche, je n'ai pas tourné autour du pot pour la xième fois sur le sujet. C'est une émission d'information, ce n'est pas une émission de critique, d'accord. Vous avez c'est une émission d'information. De temps en temps. Mais pas du tout. Mais votre opinion sur la télé, j'en ai rien à foutre. Et la mienne, vous n'en avez rien à foutre. Moi, je fais une émission d'information. Alors, dans son émission d'information, il recevait fréquemment Étienne Moujotte, le vice-PDG de TF1, mais en évitant d'évoquer des sujets qui pourraient l'embarrasser, notamment à propos de ses relations avec le pouvoir. Il n'avait pas non plus diffusé d'extrait du document Moujotte-Léotard, alors que c'était, semble-t-il, la vocation de son émission de montrer ce genre de choses. C'est en tout cas ce que nous avait affirmé son confrère Christian Blachasse. En revanche, je pense qu'une émission totalement consacrée à la télévision aurait dû et aurait pu publier ce document. Comme Télédimanche, Ligne de mire... Oh, les émissions qui sont totalement consacrées à la télévision. Et pourquoi ils ne passeraient pas ? Je ne sais pas. Allô ? Bonjour, monsieur Karl. Oui, salut. Monsieur Dana. Bonjour, monsieur Dana. Comment allez-vous, monsieur Karl ? Moi, ça va. Moi, nous aussi. Bon, on est pas mieux. Bon, j'ai vu Alain Taïeb, je ne sais pas si t'as raconté. Ouais. On a visionné ensemble le sujet. Ouais, ouais. Et je lui ai dit qu'on ne le passerait pas. D'accord. Quelles sont les raisons En même temps, on t'aime bien, donc c'est un côté... c'est con. C'est con parce que t'as eu tort d'être têtu. Non, j'ai pas eu tort d'être têtu, moi je... Peut-être que le fait de... Moi je
pense que le fait de le passer sans aucune explication pose un problème. En fait, c'est un sujet qui mérite débat, comme dirait... Bah oui, mais justement, pourquoi vous ne passez pas alors qu'il mérite débat enfin. Parce que, si tu veux, il y a je pense qu'il y a chez toi, mais prends-le avec mille pincettes, je vais te dire, un côté un peu procès stalinien. C'est-à-dire que je vais vous démontrer que c'est tous des pourris, y compris les gens de Canal+, qui ne veulent pas passer mon sujet. Donc ils sont alliés, ils se connaissent, ils se fréquentent. Or, c'est faux. Ah non, mais je crois pas que toi tu sois. Enfin, je crois pas que toi, en tout cas, tu sois dans cette logique-là. Je pense que les gens au-dessus de toi, peut-être. Ça te loin, je suis un spectateur de télé. Ouais. À la limite. Et ouais. Je connais tes sujets, j'ai vu beaucoup de tes sujets. Ouais. Et je pense que t'as effectivement une forme d'écriture. Sauf que là, t'es allé un peu loin, c'est-à-dire que t'as voulu vraiment faire un brûlot, anard. Donc je dis procès stalinien qui est pas gentil, mais plutôt brûlot anard, genre voilà, regardez. Regardez comme ils sont copains, regardez comment ils réagissent, et en plus, les salauds de Canal, la gauche caviar, ils veulent pas le passer non plus. C'est une erreur d'analyse. Parce qu'en même... Pourquoi c'est une erreur d'analyse, c'est la vérité? Mais non, parce que parce que Canal n'a pas peur de passer des trucs un petit peu... je sais bien que ça n'a rien à voir, mais on va faire un truc, on fait le truc sur le sida facteur 8. C'est assez courageux aussi d'aborder ce sujet sous forme de fiction, digne, etc. Donc, le fait que Canal soit... je pense que Canal, dans l'ensemble, depuis 10 ans, a montré qu'elle avait une certaine indépendance d'esprit et une certaine forme d'autocritique. Bah oui, mais sauf sur, pour ce qui est de ce document, là, c'est les limites de Canal. Les limites de Canal, c'est que par rapport à ce truc-là, vous pouvez pas le passer, quoi. Salut, la journée de la télé, c'est aujourd'hui. Philippe Dana, vous avez coordonné cette opération qui débute à 14h et qui va s'achever tard dans la nuit. Alors, c'était lui là, l'homme à la chemise rouge, mon interlocuteur au téléphone, dans une émission qui se déroulait le jour même où le sujet aurait dû normalement passer sur Canal+. Alors, quel est le thème? Alors, le thème cette année, c'est la télévision, le pouvoir, la morale, donc un thème d'actualité, un thème de réflexion à 3 semaines des élections, du premier tour. Et on va voir donc une trentaine de petits modules, soit des fictions, soit des enquêtes, soit des documents, soit des reportages. Eh bien, ça commence à 14h, après Télé Dimanche et après la semaine des guignols, bien entendu. C'est tous les jours dimanche. Philippe Alexandre, Serge Julie, bonsoir. Bonsoir. À notre programme ce soir, les rapports entre la télé, la politique et, peut-être, si on va jusque-là, la morale. Oh, ça, on s'arrêtera avant. Pourquoi? C'est trop tard le soir, d'habitude. Vaste programme. Ça, c'est ce qu'on a pu voir dans la journée de la télé de Canal+, un débat qui mettait en scène 3 journalistes partageant à peu près le même point de vue. Alors la chaîne s'était bien gardée d'annoncer à ses téléspectateurs qu'ils ne verraient pas tous les sujets prévus. Il fallait lire le journal Libération pour apprendre que pas vu à la télé ne serait justement pas vu à la télé. Et quelques jours plus tard, c'est le quotidien Le Monde qui parlera lui de censure à propos de cette affaire, ce qui ne manquera pas de faire réagir Canal+. Allô, oui. Bonjour, je voulais parler à Christian Desplats, s'il vous plaît. Oui, c'est moi l'appareil. C'est Pierre-Carles, l'appareil. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je vous appelle, je vous ai donc laissé des messages sur votre répondeur, parce que à Télé Dimanche, on veut faire un reportage sur le fait que votre sujet, pas vu à la télé, effectivement, était pas vu à la télé. Exact, quelle judicieuse remarque. Et notamment sur Canal. Là, mon interlocuteur au téléphone s'appelait Christian Desplats. C'était un journaliste de Canal+, qui collaborait à l'émission Télédimanche, celle-là même qui n'avait pas jugé utile d'évoquer la censure du sujet. Et j'aurais voulu savoir s'il était possible de vous rencontrer pour faire une interview avec vous, pour que vous m'expliquiez à la fois votre point de vue à vous par rapport à ce sujet, un petit peu comment vous l'avez tourné, etc. etc. parce que je trouvais plutôt cocasse qu'un journaliste de Canal+, veuille m'interroger, car ce que j'allais lui raconter le mettrait certainement dans l'embarras. Je comptais bien en effet lui révéler le contenu de mes conversations téléphoniques avec sa chaîne, et notamment le fait que la plupart des gens que nous avions interviewés avaient fait pression, et je voyais mal comment il allait pouvoir passer de tels propos. Ok, très bien. Voilà. Bah écoutez, on vous retrouve demain soir 21h. D'accord. C'est parti. Bon, voilà, les caméras de Pierre-Carles tournent, celle de Dimanche soir. Attendez, je fais quand même une clap moi de mon côté. Hein. Ça, c'est le lendemain, lorsque le journaliste de Canal+, est venu m'interviewer, et tout au long de l'entretien, je n'allais cesser de lui rappeler ce que Philippe Dana m'avait dit au téléphone. On va parler clairement, pour nous c'est une espèce de missile Exocet. Ouais. Donc sa chaîne savait pertinemment que le sujet risquait de poser problème. Est-ce qu'en conclusion tout seul, votre impression à vous, c'est qu'on ne peut pas, en France, parler
des médias, du pouvoir, du lobbying? Ou est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à bien en parler? Non, je parle pas très bien, c'est ça. Là, j'avoue que je suis resté un peu interloqué. On n'entend pas très bien ma réponse. En fait, j'allais lui rétorquer que ce n'était pas moi, mais plutôt son émission à lui, Télédimanche, qui avait des problèmes pour aborder certaines questions, et notamment les rapports qu'entretenaient des journalistes influents avec des membres du pouvoir. Mais vous savez très bien, c'est incroyable, vous êtes le premier à le savoir en travaillant en Télédimanche. Vous savez très bien qu'il y a des choses dont vous ne pouvez pas parler, des problèmes que vous ne pouvez pas aborder, que vous ne pouvez pas dire à Étienne Moujotte quand il est sur votre plateau, tenez, regardez cette cassette, qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal, ça se passe comme ça et tout. Vous êtes le premier à savoir. Pourquoi me poser la question à moi alors que c'est un secret de Polichinelle? Moi, j'ai juste enregistré dans mon documentaire un secret de Polichinelle. Ok. Merci. Je n'étais pas tout à fait sûr de l'avoir convaincu, là. Maintenant, je me demandais s'il oserait tout de même reprendre mes arguments mettant en cause son propre employeur dans son reportage pour Canal+. Sur Canal+, dimanche dernier, c'était la journée de la télé. Un reportage qui devait être diffusé dans le cadre de cette journée a été refusé par la direction de la chaîne. Le Monde et Libération ont parlé de censure. Ce reportage de Pierre Carle voulait illustrer les liens entre le pouvoir politique et les médias. Ça, c'est le jour où Canal+ a cherché à se justifier dans l'affaire de la censure de Pas vu à la télé. C'est donc Michel Denisot, l'animateur de l'émission Télédimanche, que j'avais mis en cause dans mon interview, qui s'est chargé de donner la version de la chaîne. Christian Desplaces a enquêté. Dimanche 2 avril, la troisième édition de la journée de la télé sur Canal+, avait pour thème télé, pouvoir et morale. Un reportage, pas vu à la télé, réalisé par Pierre Carle, n'a pas été diffusé par la chaîne. Résultat, un article dans Libération et un autre dans Le Monde où l'on parle de censure. Toute l'affaire commence le 6 février dernier. Cette lettre est envoyée à une dizaine de journalistes dans toutes les chaînes. C'est une demande d'interview. Voilà ce que dit la lettre. Le thème du film que nous préparons concerne la nouvelle distribution des rôles complémentaires de la presse télé et de la presse écrite. 8 journalistes acceptent de répondre. Mais quelques minutes après le début de l'interview, Pierre Carle ouvre sous leurs yeux une mallette contenant un magnétoscope et leur diffuse l'image d'une conversation privée entre François Léotard, le ministre de la Défense, et Étienne Moujotte, le vice-président de TF1. Le contenu de cette conversation avait fait la une du Canard enchaîné l'été dernier. Le but de Pierre Carle, montrait la connivence entre les médias et les hommes politiques. Devant lui et sa mallette, les journalistes sont priés d'expliquer pourquoi ils n'ont pas diffusé ces images piratées sur un satellite. On vous laisse parler sur ce qu'on vous a annoncé, mais ça n'est pas là l'objectif. Ensuite, tout d'un coup, on vous piège avec une cassette. On enregistre vos réactions. On sait très bien d'ailleurs que vous allez réagir brutalement, mais on vous enregistre quand même. Vous avez beau vous y opposer. Ici, il diffuse, il présente à des journaux de presse écrite qui, en quelque sorte, publient le communiqué de Pierre Carle. Et le tour est joué. Il était venu là pour me piéger, point. Et encore une fois, non pas pour trouver, pour faire une enquête, pour trouver une information, certainement pas. Bien évidemment, les gens sont troublés, comme ils le seraient aussi bien si on leur avait montré une image de recette de cuisine ou de corrida. Et dans le montage final, ce qu'il exploite, c'est les deux minutes où ces gens se disent « Attends, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ?» Alors effectivement, certains froissent un papier, d'autres sont incapables de répondre à la question « Alors qu'est-ce que vous pensez de cette image ?» Mais ce sont uniquement ces deux minutes-là qui nous ont été montrées. Pierre Carle, lui, affirme n'avoir pas d'autres moyens pour obtenir de vraies réponses et il renvoie la balle à ses confrères. J'ai toujours été malhonnête, moi. Mais avec des gens malhonnêtes, il faut être malhonnête. Quand ils font des sujets sur le groupement, comme ils en ont fait un dernièrement, envoyé spécial sur ce qu'ils appellent une secte, et certains disent que ce n'en est pas une, enfin bon, et qu'ils utilisent des méthodes pour piéger les gens, ils sont malhonnêtes. Enfin, ils sont comme moi, quoi. Ils sont comme moi avec eux. Enfin, ils n'aiment pas qu'on leur fasse à eux ce qu'ils font aux autres. Regardez bien comment va se comporter la journaliste Anne Sinclair avec l'ancien Premier ministre. Les 13 minutes du reportage font alterner les interviews devant la mallette magnétoscope et les images d'archives. Au final, un montage destiné à démontrer l'idée de départ de Pierre Carle. Oui, moi j'ai fait une enquête sur la mauvaise foi des journalistes. C'est des gens qui sont de mauvaise foi, donc je voulais filmer leur mauvaise foi, c'est tout. Procédé totalitaire lorsqu'il s'agit donc non pas de chercher l'information et de piéger l'interviewé, de faire preuve de procès d'intention, de terrorisme intellectuel et de mauvais esprit. À partir de là, il y a tout et n'importe quoi. Alors, cette familiarité... Canal+ avait demandé à Pierre Carle de ne pas utiliser dans son montage les images piratées. La chaîne considère donc que le reportage livré n'a pas été conforme à sa commande. Vous avez montré ces images. Alors, je crois que c'est une histoire relativement exemplaire de manipulation où il a été présenté
à une chaîne de télévision un projet, il a été tourné à un autre projet, et c'est ma responsabilité à moi, directeur des programmes, de dire que je contrôle mon antenne, je suis responsable des images qui passent, et il est hors de question qu'une dizaine de journalistes parmi les plus importants de la radio, de la télévision et de la presse écrite passent pour des imbéciles, des truqueurs, voire pire, et j'oserais pas le dire. Ça ne passera jamais sur mon antenne. Je crois que si ces gens-là avaient été interrogés sur le véritable sujet tel qu'il nous a été proposé, on aurait eu un sujet très intéressant. Et je pense que je vais faire ce sujet très rapidement parce que c'est très important. François-Henri de Virieux. Bonjour. Bonjour Michel. Auparavant, puisque vous étiez concerné par ce reportage. J'étais parmi ceux qui ont été piégés. Oui. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Bon, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit là. Je dirais qu'il y a deux problèmes dans cette affaire. Le premier, c'est que le sujet lui-même qui est montré ne mérite pas de passer. C'est une conversation complètement piégée. Caméra dans le dos de Léotard, le ministre de la Défense, qui ne peut pas se défendre, entretien avec Étienne Moujotte, et ça ne mérite pas en tout cas l'appellation de censure parce qu'on ne le passe pas. Et la seconde chose, alors qui est plus grave pour un journaliste, c'est quand même qu'il dit « je vais vous poser une question » et qu'il en pose une autre. Et la question c'était pourquoi est-ce que ce sujet n'est jamais passé à la télévision? Bon, et en fait, quand on répond, on s'aperçoit que ça n'intéresse pas les réponses. Tout est dit. Tout est dit. Alors, je n'avais pas pu répondre aux accusations portées par François-Henri de Virieux à mon encontre, Michel Denisot n'ayant pas jugé utile ce jour-là de m'inviter sur son plateau, et il ne m'avait pas non plus donné l'occasion d'expliquer pourquoi nous avions dû ruser avec nos interlocuteurs. En fait, si nous n'avions pas agi de la sorte, nous n'aurions sans doute pas réussi à les interviewer. C'est une interview sur les relations. Alors, je fais un documentaire pour Canal+ sur les relations entre le pouvoir et les médias, et notamment entre journalistes et hommes politiques. Ouais. Et j'aurais souhaité interviewer Jean-Luc Manot à propos de la... Là, nous annoncions la couleur, nous expliquions précisément sur quoi portait l'entretien à la secrétaire de Jean-Luc Manot, à l'époque directeur de l'information de France 2. Mais il n'avait pas donné suite à notre demande d'interview, de même que Jean-Pierre Elkabbach, son supérieur. Eh bien, vous n'aurez pas de suivi, le président vous prie de l'excuser, mais il ne peut pas en ce moment. Si c'est plus tard, ça serait possible, éventuellement ? Il ne m'a pas parlé de ça, hein. Pas pour le moment. Donc c'est à la suite de ces refus successifs que nous nous étions vus obligés de formuler notre demande différemment, comme dans ce courrier adressé à Charles Villeneuve où nous restions assez vagues sur le véritable motif de l'enquête. Je crois qu'il y a un vrai problème. Le problème est le suivant. C'est que les gens qui se sont plaints et qui sont dans ce reportage, ils ne se sont pas plaints sur la démarche qui a été la nôtre. Si, officiellement. Mais le fond de la question, c'est quoi? C'est pas notre démarche qui est en cause. Ce ne sont pas les questions qu'on leur a posées. Je pense qu'à retardement, ce qui les gêne, ce sont les réponses qu'ils nous ont apportées. L'enquête réalisée par Pascal Martin et Jacques Cotta sur les lobbies et les... Ça, c'est un sujet qui était passé à la télévision à propos d'une polémique qui concernait cette fois-ci l'émission Envoyé spécial. Et on reprochait à ces deux journalistes qui avaient enquêté dans les milieux catholiques intégristes d'employer des méthodes d'investigation finalement assez proches de celles que nous avions utilisées à l'égard de leur propre patron, Bernard Benyamin. Alors voyons ce qui leur a été reproché. D'abord, ils sont venus nous trouver en nous disant que l'émission concernerait les valeurs, la famille dans la société. Donc ils nous ont trompés sur le thème de l'émission. Alors souvenez-vous à présent de ce que disait Bernard Benyamin à notre propos. Il était venu là pour me piéger, point. Et encore une fois, non pas pour trouver, pour faire une enquête, pour trouver une information, certainement pas. Écoutons maintenant ce que les intégristes catholiques reprochaient à Envoyé spécial, son magazine. Quelle était l'intention des auteurs? Faire un reportage, une enquête ou défendre une thèse? Ce à quoi on pouvait rétorquer, comme l'avaient fait les deux journalistes d'Envoyé spécial. Mais le fond de la question, c'est quoi? C'est pas notre démarche qui est en cause. Ce sont pas les questions qu'on leur a posées. Je pense qu'à retardement, ce qui les gêne, ce sont les réponses qu'ils nous ont apportées. Cet argument pouvait s'appliquer à Bernard Benyamin, leur rédacteur en chef, qui avait dû être lui aussi un peu gêné à retardement par les propos qu'il avait tenus devant notre caméra. Est-ce que ce serait possible de faire une enquête sur la télévision, à la télévision, sur ces rapports de la télévision avec le pouvoir? Je vais vous dire, moi je n'aime pas trop cracher dans la soupe. Faire une enquête sur des gens, enfin moi c'est pas du tout mon truc, mais alors, ça j'aime pas du tout, mais pas du tout. La télévision peut-elle vraiment parler d'elle-même? Bonne question, passons à la suivante, dirait l'autre. Eh bien nous avons décidé de nous y arrêter un peu. L'occasion... Ça c'était Le Droit de Regard, une émission de France 3 qui allait donner un point de vue sensiblement différent de Canal+, sur la censure de pas vu à la télé, pourtant à partir des mêmes informations que Télé Dimanche.
pas vue à la télé, l'enquête ne pouvait pas mieux s'intituler. Canal Plus refusera de la diffuser. C'était le 2 avril. Pierre Carl avait demandé aux journalistes les plus connus de la télé pourquoi personne n'avait diffusé un entretien Moujotte-Léotard piraté lors d'une transmission satellite de la Une. Tout comme celle-ci, les images montraient une vraie connivence entre le journaliste et l'homme politique. Bon, alors, si tu veux, moi je te propose d'insister, toi, sur les thèmes qui te semblent les plus importants. En fait, ce qui gênait dans son enquête, c'est que les télés répugnent effectivement à aborder ces questions, que leurs responsables sont mal à l'aise quand on leur en parle, et que cela non plus ne devait pas être montré. Il est hors de question qu'une dizaine de journalistes parmi les plus importants de la radio, de la télévision et de la presse écrite passent pour des imbéciles, des truqueurs, voire pire. La seconde chose, alors qui est plus grave pour un journaliste, c'est quand même qu'il dit « je vais vous poser une question » et qu'il en pose une autre. Henri de Virieux ne ferait pas ça à ses invités, lui. Bonjour, ça va ? Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue. Merci. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, ça devient, ça reste un entretien privé. Jusqu'à dimanche. Contradictoirement avec ce que nous disions au départ, il y a une vraie, c'est une vraie agression commise envers le téléspectateur que de faire du dévoilement. Je ne crois pas que ce soit tellement à l'égard du téléspectateur. Le problème, il est plutôt à l'intérieur de ce milieu des médias et de la télévision. Alain de Greff le disait très bien tout à l'heure. Pourquoi il a refusé de montrer le reportage de Pierre Carl? Ses raisons sont claires. Il est hors de question que les 10 plus grands journalistes de radio et de télévision puissent apparaître comme des imbéciles ou je ne sais pas quoi. C'est ou des truqueurs. Hein. Voilà, ou des truqueurs. C'est le côté incestueux de ce milieu-là. On se connaît tous, on se tient tous plus ou moins. Et donc, il ne faut pas briser le pacte, comme vous, Daniel Servin, disait tout à l'heure, il y a un pacte entre nous. D'ailleurs, nous, ici, là, c'est pas, on a aussi cette relation incestueuse. Daniel Schneerman fait une émission sur la 5e, j'y collabore. Laurent Neumann, il travaille de temps en temps. Donc, on est tous dans un petit monde. Donc, on se rend tous des services. Et c'est vrai que des gens qui arrivent et qui brisent cette loi-là, on se tient tous plus ou moins, ben, ils sont mal vus. C'est le milieu lui-même qui est frileux, qui est timide, parce qu'on se tient tous les uns les autres. Alors, le journaliste qu'avait cité Alain Raymond, c'était Daniel Schneerman, lui-là, qui animait une émission consacrée à la télévision sur la 5e chaîne. Il avait d'ailleurs reçu Alain de Greff sur son plateau. C'était quelques jours après la censure de Pavu à la télé par la direction de Canal+. Mais à aucun moment, celui-ci n'avait été interrogé à ce propos, ni par Schneerman, ni par les autres journalistes présents sur le plateau ce jour-là, afin peut-être de ne pas briser le pacte, pour reprendre l'expression d'Alain Raymond. Nouvelle à propos de perdu de pas vu à la télé. À la fois, je voulais savoir s'il y avait une diffusion qui était finalement envisagée en France et par ailleurs s'il était possible de l'acheter pour le diffuser chez nous. Ça, c'était environ 6 mois plus tard, lorsque les gens de la télévision belge ont appris l'existence de Pas vu à la télé, dont on avait un petit peu reparlé dans la presse car il avait été projeté dans différents festivals de reportages ou de documentaires. Il s'était même vu attribuer un prix au Festival du Scoop et du Journalisme d'Angers, le prix Société c'était. Et d'ailleurs, interrogé à ce propos, Alain de Greff, le directeur des programmes de Canal+, allait se déclarer consterné en ajoutant qu'il était toujours hors de question pour sa chaîne de diffuser cette chose, comme il l'appelait. Allô ? Bonjour, vous êtes l'assistante d'Alain de Greff ? Oui. Oui, Pierre Carl à l'appareil. Oui. J'ai essayé de joindre Alain de Greff hier. Oui. J'aurais toujours souhaité aimer le joindre. L'appeler, oui. Il y a un sujet précis ? Oui, il s'avère que c'est au sujet du film « La pas vu à la télé » dont vous avez peut-être entendu parler. Non. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Non, simplement, c'est un film... Ah oui, bien sûr, ça me dit, ça y est, je sais ce que c'est. Bon. Simplement, il s'avère que la télévision belge a émis le souhait d'acheter le film. Moi, j'ai dit que les droits étaient à Canal+, hein, pour l'instant. Oui. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était de cette affaire, si Canal+, éventuellement. Donc, c'est pour ça que je voudrais parler à Alain de Greff de ce sujet. Alors, je n'allais pas réussir à joindre directement Alain de Greff, et c'est pourquoi le lendemain, je lui ai envoyé une télécopie dans laquelle je lui demandais s'il était d'accord pour que le sujet soit racheté par la RTBF pour une diffusion en Belgique, ou si au contraire, il s'y opposait. Bonjour monsieur, merci de me rappeler au 44 25 14 25. Je suis Marie Toublon et je travaille à Canal+. Je vous appelle de la part d'Alain de Greff. Merci de me rappeler dès que possible. À très bientôt, au revoir. Ça, c'était la personne qui était chargée à Canal+, de la revente des images produites par la chaîne. Allô ? Hello ? Oui, donc je vous rappelle, c'est en fait que vous avez...
avez envoyé à Alain. Oui. On est tout à fait d'accord pour vendre le programme à la RTBF, il n'y a aucun problème. Oui. Donc bah, demandez aux gens de la RTBF de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse négocier le prix de ce programme. Voilà. D'accord. Non, la seule chose... Donc Canal+ avait l'air bien disposé cette fois-ci, mais leur tarif allait s'avérer prohibitif par rapport au budget dont disposait la télévision belge pour acheter les droits de diffusion de Pavé à la télé. Et je n'ai pas eu d'autre choix à partir de ce moment-là que d'inventer une fausse société de production, Arapet de production, pour faire croire à la RTBF que le sujet m'appartenait désormais, que c'est donc moi qui en détenais les droits. Alors on avait choisi d'appeler notre société Arapet parce que c'était des coquillages qu'il était très difficile de décrocher des rochers lorsqu'ils étaient accrochés. Et c'est Hector Obalk, l'intervieweur de Charles Villeneuve et de Bernard Benjamin, mais qui exerçait en réalité la profession de graphiste, qui avait fabriqué le papier en tête au nom de notre fausse société. Ensuite, j'avais demandé à un ami assez proche d'apposer sa signature au bas du faux contrat à la place de la mienne, afin qu'on ne puisse pas m'attaquer, ou du moins m'accuser d'avoir vendu un sujet dont je ne détenais pas les droits. Et nous avions dû également nous approprier une boîte à lettres qui semblait désaffectée pour recevoir du courrier au nom d'Arapet Productions. En grande première sur la Une, la RTBF sort des oubliettes un reportage français jamais diffusé en France. Sujet de ce document... Alors ça c'était le 5 mai 1996, lorsque Pas vu à la télé allait pour la première fois être un peu vu. Pas vu à la télé, ce dimanche vers 13h10. C'est un reportage français que vous allez nous faire voir aujourd'hui, Jean-François Bastin. Une enquête, plus exactement, du journaliste Pierre Carle, et que les téléspectateurs français n'ont pas pu voir et ne verront vraisemblablement jamais. Alors une première question, pourquoi n'ont-ils pas pu le voir? Pourquoi cette autocensure? Et pourquoi le montrer à la RTBF? D'abord, pourquoi cette autocensure de Canal+, à vrai dire, je n'en sais trop rien, Jacques. Ce que je pense, en tout cas, c'est que les dirigeants de Canal+, quand ils ont décidé de ne pas diffuser cette émission qu'ils avaient pourtant commandée à Pierre Carle, ont eu, à mon avis, un réflexe de solidarité professionnelle, parce que c'est vrai que dans ce reportage de Pierre Carle, il y a des journalistes de la télévision française qui sont mis sur la sellette. En tout cas, nous, à l'hebdo, nous ne voyons aucune raison de priver le public de ce document. Au contraire, parce que ça touche à un vrai problème de société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la question des relations entre le monde des médias, de la télévision en particulier, et le monde politique. Cela dit, ne vous attendez pas à des révélations fracassantes à ce propos. En fait, l'intérêt principal, à mon avis, du sujet de Pierre Carle, c'est de faire apparaître ce que j'appellerais une certaine hypocrisie médiatique. Vous allez voir dans quelques moments, dans quelques instants, vous allez voir des vedettes de la télévision française, de l'information télévisée, des stars du petit écran en France, vous allez les voir se décomposer, perdre un peu de leur vernis, perdre un peu leurs moyens, certains leur sang-froid, parce qu'ils sont confrontés tout d'un coup à un petit document ordinaire, extraordinaire, c'est difficile à dire, en tout cas un document qui a ce don de faire tomber quelques masques au fond. Merci Jean-François. Voici donc Pas vu à la télé, un reportage de Pierre Carle. Ok, c'est quand on veut. C'est parti. Oui, est-ce que vous avez vu le sujet de Pierre Carle qui avait provoqué une polémique et qui n'avait pas été diffusé par Canal+, justement, l'an dernier? Sur, vous savez, cette bande vidéo qui avait été prise, justement, off sur une liaison satellite. Alors lui, c'était Carl Zero, un humoriste de Canal+, qui animait une nouvelle émission sur la chaîne. Le feed. Voilà, il était venu voir là, tous les journalistes de télé en leur disant, bon, en les malmenant un peu, en utilisant un peu les méthodes qu'utilisent certains journalistes d'investigation pour, sinon les piéger, en tout cas, leur faire cracher des choses. Oui, je l'avais pas vu personnellement, mais j'en ai entendu parler. Est-ce que ça vous choque, sa démarche? Ah non, pas du tout, je trouve ça très bien. Donc, vous seriez prêt presque à le diffuser dans votre émission? Sans problème. Bah, on est là pour ça, sinon on diffuse pas ça, je vois pas qui va le diffuser. Ouais, mais il n'a pas été diffusé par Canal+. Il n'y avait pas de vrai journal. Donc vous pensez être un espace de liberté supérieur encore dans l'espace de liberté déjà de Canal+. Vous ouvrez une brèche. Dans le domaine de l'information, oui. Alors c'était le directeur des programmes de Canal+, Alain De Greff, qui avait lancé cette nouvelle émission sur sa chaîne environ un an et demi après la censure de Pas vu à la télé. Et donc il semblait que les choses étaient un petit peu en train d'évoluer à présent. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui. Je vous ai appelé là pour savoir si vous aviez reçu la petite bande que je vous ai envoyée.
Ah oui, 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 tout à fait. On a reparlé de vous l'autre soir. Quel soir? Au cours d'un dîner, puisqu'on fait des dîners. Alors là, c'est à Carl Zero que je parlais au téléphone. Ouais. Visiblement, vous avez chauffé de greffe très fort, je ne sais plus à quelle occasion, sans doute à l'occasion du document que vous m'avez envoyé, que j'ai pas eu le temps de regarder, mais que je me prépare à regarder avec joie, parce que je crois que c'est assez drôle. Ouais. Donc moi j'ai poussé en disant il faut le prendre. Je crois que le problème c'est que de greffe, je crois, n'a pas vu. En fait, il avait fait des critiques initialement, moi j'ai rectifié le. Non, mais je crois qu'il vous, il vous déteste foncièrement. Oui, mais je sais pas pourquoi. Vous avez doublé sa façon de voir, quoi. Entre le politiquement correct façon de greffe et ce que vous vouliez faire passer, il y avait une différence notable, ce qui est d'ailleurs un peu mon cas aussi aujourd'hui, hein. Ne nous le cachons pas. Mais cela dit, moi je serais intéressé de travailler avec vous, de vous confier des enquêtes, ou on peut se voir, en parler ensemble. Alors à vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me propose de travailler dans son émission, mais après tout, pourquoi pas, puisqu'il avait l'air sincère. Pourquoi est-ce que la télévision n'est jamais le reflet de la vie réelle? Quand vous parlez entre vous, tous les deux, au maquillage, vous parlez, vous dites des choses sérieuses et vous dites aussi des grosses conneries, tous les deux. Et vous vous marrez. Alors là, Carl Zero était l'invité de Ligne de Mire, l'émission de Jacques Chancel sur France 3. C'était quelques jours à peine après notre conversation téléphonique. Vous faites pareil. J'imagine que vous dites plein de choses, par exemple, à la salle de maquillage, que vous ne dites plus après, parce que vous êtes devant votre caméra et vous jouez. Eh bien, mon cher Jacques, pas du tout. Justement, c'est ça le vrai journal. C'est ça la différence. C'est un vrai journal. C'est-à-dire qu'on peut tout dire. On est là pour tout dire. Allô, je suis Carl Zero. Est-ce qu'on déjeune toujours ensemble? Est-ce que tu peux me rappeler? Alors, mon portable, 0607. Alors Carl Zero voulait là qu'on se voit assez rapidement pour discuter de ce que je pourrais faire dans son émission. Et je comptais lui proposer une enquête sur la manière dont en France une chaîne de télévision s'y prenait pour censurer un sujet. Sachant que ça risquait de poser un problème parce que bon, c'était un document qui était quand même, ça c'était les termes de Philippe Dana qui m'avait commandé le sujet, un missile exocète, c'est comme ça qu'il l'avait qualifié. Je m'étais dit, bon, je vais quand même enregistrer toutes les conversations avec la chaîne d'emblée pour pas qu'ils puissent me dire après, j'ai pas fait le sujet, etc. Donc, ce que j'avais fait, donc j'ai filmé tout le processus de censure du sujet par canal. Donc, c'est un document assez incroyable, tu vois. Oui, mais ça je suis absolument pas en position de diffuser ça. Ouais. Mais pas une seconde, tu vois. Ouais. Ça serait amusant, pourtant. Ça irait dans le sens de ce que tu fais dans le vrai journal avec les caméras cachées, les machins. Ce serait très bien, sauf que moi, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je suis pas. Et c'est encore de greffe, à la limite, ça le ferait marrer, mais c'est l'escure, ça fera pas du tout marrer. Ouais. L'autodérision, c'est pas du tout leur fort en ce moment. Alors, si je lui avais proposé de réaliser un sujet à partir de l'enregistrement de mes conversations de travail avec les gens de télévision, c'est parce que justement, je l'avais entendu dire la veille, dans une émission où il était invité, qu'il n'aimait pas que l'on tienne un discours différent à l'antenne et hors antenne. Il s'agit de montrer la réalité des choses. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime pas l'idée de on et de off. J'aime bien que les gens soient normaux et disent normalement ce qu'ils pensent. Est-ce que vous iriez jusqu'à révéler des affaires, Carl, si vous aviez l'occasion, si vous avez un dossier qui arrivait jusqu'à vous? Bien entendu, c'est le principe même du vrai journal. C'est de ne pas garder pour soi des trucs et de raconter les choses comme elles sont. Simplement, c'est au journaliste de bien demander, au moment où il va commencer à faire quelque chose, s'il a la possibilité de tout dire. Personnellement, je travaille sur Canal+, c'est pas un secret, il y a une partie qui appartient à la Générale des Eaux. Oui. La première question que j'ai posée quand il a été question de faire un journal subjectif, un journal d'investigation, c'est de dire, si on trouve sur notre chemin, ce qui arrivera forcément, la Générale, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, vas-y. Je leur ai dit, vous êtes sûr que... Ils m'ont dit, vas-y. Non, mais je me disais que faire d'emblée un sujet sur Canal pour démarrer l'émission, ça permettrait de balayer toutes les critiques et d'emblée de positionner... Mais tu dirais quoi? Non, mais par exemple, je sais pas, sur... Moi, je me serais bien vu faire un sujet sur cette affaire, là, sur le discours qui a été tenu, par exemple. Oui, mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que tu vas être obligé de montrer leurs contradictions, qui sont très nombreuses. Oui. Mais ils vont passer pour des cons et ils ne passeront pas ton sujet. Oui. Ils n'ont aucune envie. Si tu veux, faut bien comprendre un truc que j'ai compris là. Il y a deux canals. Il y a le canal du début, de 84, première chaîne avec un petit décodeur et tout. Et puis il y a le canal de maintenant, un holding qui fait du satellite, du machin. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même esprit d'entreprise, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Donc en fait, tu peux pas arriver. Le premier sujet, c'est je me fous de la gueule de Canal. Ça, c'était quelques jours plus tard. Wait.
entendu, vous pouvez laisser un message. Au revoir. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pierre Carl, l'appareil. Ah, salut Pierre. Ça va? Oui. T'as eu mon message, non? Ah non. D'accord, j'ai laissé un message sur ton portable. Ah, j'écoute pas très souvent. D'accord. Oui, je pensais te proposer un sujet. Là, je voulais juste t'appeler pour te proposer un sujet qui va être traité forcément par je sais pas qui. Ouais. C'est l'histoire des intervieweurs de Chirac. Ouais. Je sais pas si t'as vu le papier dans le Canard Enchaîné ce matin et le titre de Libération hier, là. Chirac remanie son cabinet journalistique. Alors c'est en lisant un article paru le matin même que m'était venue l'idée de proposer à Carl Zéro ce sujet sur cette coutume française qui voulait que le président de la République choisisse les journalistes chargés de l'interviewer. Jusque-là, c'était toujours à peu près les mêmes têtes que l'on voyait interroger Jacques Chirac à la télévision, que ce soit Anne Sinclair, Jean-Marie Cavada ou encore Alain Duhamel, qui excellait depuis plus de 25 ans dans ce genre d'exercice. Mais en décembre 1996, Jacques Chirac n'avait pas fait appel à eux, il s'était séparé de ces gens-là. Et dans ce journal, on expliquait qu'il était bon d'éliminer les chevaux de manège habituels, car ils sont considérés par le public comme connivants par leur appartenance à l'élite. C'est en tout cas l'analyse que faisait dans le Figaro François-Henri de Virieux, que nous avions interviewé dans Pas vu à la télé. Donc, puisque je pensais que ça pourrait être intéressant d'interviewer... Cela dit, sur un sujet comme ça, il faut que tout le monde soit là. Il faut que De Greff puisse le voir, tu vois. Bien sûr, ouais. Alors, si jamais il n'est pas là... Ouais. Et en plus, bon, moi, ce qui me gêne, c'est que... Ce qui me fait peur, c'est que Durand, c'est mon copain, et Phil aussi. Alors parmi les nouveaux journalistes qui avaient été convoqués au palais de l'Elysée pour interroger Jacques Chirac, figurait notamment quelqu'un qui était à l'époque salarié de Canal+, voilà Michel Field, ainsi que Guillaume Durand qui s'apprêtait à rejoindre cette même chaîne quelques mois plus tard et qui nous avait déjà parlé de certaines de ses rencontres avec des chefs d'État. Moi je fais mon boulot, j'essaye de le faire bien, mais je me sens pas du tout piégé, je veux dire, vous savez, j'ai fait chanter l'hymne russe à Helsinki. J'ai fait des interviews de lui sous pression dans son palais à Moscou, parce qu'il ne faut pas sortir, faut pas rester dans le problème, enfin enfermé dans un problème français. Allô? Pierre? Oui. Carl? Oui. Zéro? Oui. Drôle? Oui. Pierre, très Carl, drôle. Bon. Très bon. Alors la réponse est la suivante. Yes. Si tu fais ce sujet de toute façon. Ouais. C'est la réponse de De Greff. Hein. Ouais. Il dit on va pas se payer le luxe de lui refuser un sujet encore. Ouais. Donc s'il le fait et qu'il est bien, on le prend. Ouais. Mais on veut pas lui commander un sujet pour après lui dire on ne le passe pas et qu'il aille se répandre partout en disant on ne passe pas ses sujets. Mais là, attends, la seule différence, c'est que le sujet que je veux faire, c'est ni plus ni moins que l'illustration vidéo, télévisuelle, du papier qui est dans Libé hier, ou dans lequel on a enchaîné ce matin, tu vois, il n'y a aucun scoop, il n'y a rien, rien qui soit inédit. Voilà quoi, c'est juste faire ce qui a été dit, enfin faire en vidéo, tu vois, en télévision, ce qui a été raconté dans Libé hier, dans lequel on a enchaîné aujourd'hui, quoi. Ça te paraît incroyable. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est un sujet qui pose pas de problème. C'est pour ça que je te le proposais aussi, parce que je pense, enfin, bon, même si De Greff est sceptique, ça c'est... Il est sceptique, pas par rapport au sujet, il est fou de terreur dès qu'on lui dit Pierre Carl. Il est fou de terreur quand on lui dit Pierre Carl. Il s'est dit, je vais au-devant de graves ennuis. Donc, si tu le réalises dans ton coin et que tu me le files, on va le passer. Oui. Si tu... Mais il ne veut pas faire une commande ferme, enfin, tu vois le genre, quoi. D'accord. Non mais écoute, moi je suis ok, simplement ouais. tu me tiens au courant pour si tu vas trop fort, que je puisse te dire tu vas trop fort. Ouais. Alors c'était la première fois qu'on me commandait un sujet de manière presque clandestine à la télévision, mais bon, ça allait au moins me permettre de poursuivre le travail que j'avais entrepris sur les relations entre la télévision, le pouvoir, la morale. Le micro c'est bon, il a pas bougé son micro là? Il est où ton micro là? Je vois pas. Ah oui, il est là, d'accord. J'aimerais bien qu'il soit là. Alors lui, c'était Michel Naudy de France 3, que je souhaitais interviewer dans le cadre de mon enquête sur Chirac et les nouveaux journalistes, ainsi que Serge Halimi du Monde Diplomatique, car ils portaient tous les deux un regard plutôt intéressant sur le travail de leurs confrères. D'abord, la question qui se pose pour les journalistes, c'est de savoir s'ils peuvent vraiment accepter d'être choisis par le président de la République. Est-ce qu'il est normal que le président de la République prenne une liste et en fonction de ses priorités de communication, des conseils que lui donnent les conseillers qui l'entourent, choisissent un tel ou un tel pour en quelque sorte favoriser
une nouvelle communication qui permet un peu de brouiller son impopularité. Enquêtez un peu sur les modalités de présence des hommes politiques et des ministres aux émissions de télévision. Moi, j'aimerais bien savoir, qui invite qui et qui s'invite où. Alors, dans cette émission, Michel Field avait l'air de déplorer qu'en France, certains hommes politiques puissent s'inviter sur des plateaux de télévision ou bien choisir leurs interlocuteurs. Mais c'était des propos qu'il avait tenus 2 ans avant qu'on ne le convoque à son tour au palais de l'Élysée, afin d'interroger le président de la République aux conditions posées par ce dernier. Ça vous a posé un problème d'être choisi, disons, par le pouvoir? Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, il utilise mon image pour la sienne? Non, d'abord parce que c'est pas le pouvoir qui m'a choisi, étant donné que le coup de téléphone qui m'a alerté, c'est celui d'Étienne Moujotte, et que donc je ne confonds pas l'Élysée et le responsable de TF1. Celui qui a alerté Étienne Moujotte, c'était l'Élysée, non? Non, je pense. Enfin, moi, je suis pas au courant de comment les choses se sont tractées entre TF1, mais en tout cas, c'est moi la version que j'ai, c'est que c'est TF1 et Guillaume Durand, Étienne Moujotte, etc., qui ayant dealé cette émission, ont proposé justement un renouvellement de forme avec des animateurs qui étaient pas les journalistes politiques traditionnels. Et d'ailleurs, soit dit en passant, avec lesquels on a été d'une injustice folle pendant cette période. On lisait, on remplace les vieux dinosaures, etc. Mm-hmm. Enfin, moi, je ne me suis pas du tout reconnu là-dedans. Il y a des... enfin, je pense à quelqu'un comme Alain Duhamel, qui est un vieux routier des interviews présidentielles. Je ne vois vraiment pas en quoi il a jamais démérité dans ses interviews. Où il est... Enfin, vraiment, là, j'ai trouvé qu'il y avait un côté renouvellement de génération. Alors, Libé qui titre Chirac remanie son cabinet médiatique, ça, je trouve ça dégueulasse. Et pourquoi tu penses soit que des gens comme Michel Field ou Manuel Chat, mais surtout Michel Field qui tient un discours relativement critique sur la télévision, pourquoi quelqu'un comme Michel Field alors va dans ce type d'interview? Je crois que sans vouloir faire de procès d'intention, parce que même lui doit savoir que ça constitue un symbole de reconnaissance professionnelle absolument extraordinaire. Je suis sûr que les gens se battraient pour être autour de cette table-là. Parce que le fait de pouvoir être dans cette position vis-à-vis du président de la République a un sens très particulier dans la corporation. Ça veut dire que l'on est de ce niveau-là, non pas du niveau présidentiel, mais qu'on est en mesure d'être parmi les peu qui sont choisis. Et donc cela a des répercussions considérables sur l'image et puis sur des choses beaucoup plus triviales qui sont la capacité à pouvoir avoir des émissions de manière régulière. Donc je crois que c'est fondamentalement par désir de reconnaissance, sinon sociale, du moins professionnelle. C'est extrêmement valorisant que d'être là, en somme. Donc tu penses que quand on veut faire carrière à la télévision, en tant qu'animateur, présentateur, journaliste, vedette, on est quasiment obligé, on ne peut pas refuser ce type d'invitation? Non. On appelle ça une proposition que l'on ne peut pas refuser. Ce que toi tu reproches à l'attitude des journalistes ce soir, c'est de se rendre à un non-événement. C'est-à-dire aller interviewer le président de la République alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'on prenne au sérieux sa parole, c'est ça? C'est-à-dire qu'il sacralise une parole qui devrait être dévaluée. Et que c'est, à mon avis, un symptôme de la situation française. Je pense que la manière raisonnable, démocratique de procéder, ça aurait été d'annoncer en 3 lignes l'intervention du président de la République, d'écouter ce qu'il avait à nous dire, et puis après de rendre compte de l'importance de ce qu'il avait dit en fonction de l'importance de ce qu'il allait dire. Peut-être qu'il ne va rien dire d'important. Alors en effet, Chirac n'avait pas grand-chose à dire d'important, comme l'avaient souligné plusieurs journaux le lendemain, mais aucun des journalistes présents au palais de l'Élysée ne s'était permis de le lui faire remarquer. Moi, je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'interroger le président de la République. Il se trouve qu'on m'a pas invité, comme on n'a pas invité 25 000 journalistes à le faire, mais je suis pas sûr que j'aurais été ravi d'y participer. C'est quelque chose, c'est une forme dont on devine à l'avance qu'elle est tellement guindée que c'est pas forcément le travail du journaliste de servir de porte-micro au président de la République. Quand on est là où sont ces gens qui peuvent être en posture d'être des interrogateurs du président de la République, je crois que cela a supposé déjà certaines démarches, un certain positionnement dans les chaînes, une certaine stratégie individuelle qui trouve là sa consécration. On ne peut pas attendre de gens qui ont tant sacrifié pour avoir un niveau d'audience dans les médias aussi important d'être d'un coup d'un seul critique sur leur propre comportement, sur leur propre présence. Parce que s'ils avaient été critiques, ils l'auraient été avant et donc ils n'auraient pas été là. Alors c'est ainsi que s'achevait le sujet que nous avons envoyé au vrai journal de Carl Zéro. Bonjour, c'est nouveau Pierre Carl. Oui. Je cherche toujours à joindre. Ah, alors je lui ai transmis votre message, oui. Pierre. Il avait vos coordonnées, puisqu'il m'a dit oui, j'ai eu un message de lui. Okay. Donc là, maintenant, il faut attendre qu'il vous rappelle. D'accord. Alors là, je n'arrivais pas à joindre Carl Zéro, qui entre-temps avait reçu et visionné le sujet. Il s'était écoulé environ 3 semaines depuis que je l'avais envoyé. Et c'était donc plutôt mauvais signe. D'accord. Voilà.
Ok, merci. Enfin. Ouais. Carl Zéro ? Ouais. Pierre Carl. Ah ! Ça va ? Ouais, et toi ? Bon, très bien. Bon, alors, ils t'ont raconté ? Vaguement. Il s'est passé ? Mais pas très bien, mais... Il s'est passé que le sujet n'a pas été pris. Ah oui, on l'a montré à Le Greffe. Ouais. Il a dit... Il a vu Michel Field, il a fait 3 tours sur lui-même. Il a vu Michel Field ? Oui, tu sais, il y avait Michel ouais. Field dans ce sujet, c'était pourtant pas ouais. très agressif. Ben non. Et il a dit... Non, il faut pas faire ça et tout. Bon, enfin, il nous a brisé. Ouais. Et Field, il a vu le sujet ? Non. D'accord. Ah oui, il a vu, tu veux dire, la séquence avec Michel Field. Ouais. Voilà, juste le passage. Ouais. Bon. Il a dit non, il faut pas... Il a dit non, en plus, c'est plus d'actualité, c'était la semaine dernière. Et même la semaine dernière, il est agressif, il peut pas s'empêcher. Bon, voilà. Ouais. Bon, et en fait, moi, je me disais, qu'est-ce que tu penses de Jean Edernalier ? Ben, il est mort. Ben, voilà. Je pense qu'il est mort. Ouais, et est-ce que t'aurais une idée là-dessus, toi ? Sur sa mort ? Sur un sujet qu'on pourrait faire. Sort dans le carré, c'est bon. Pourquoi ce genre de choses ne passe pas à la télévision aujourd'hui ? Bon, alors d'abord, c'est pas moi qui prends la décision de ce genre. La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fût-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée. Bien sûr qu'il y a de l'autocensure, mais qui nous impose l'autocensure ? Le public ? Le public ? Faire une enquête sur des gens... Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc. Non, ça, j'aime pas du tout. Et pas du tout. Non, on ne joue pas à la comédie. C'est beaucoup plus simple que cela. Vous verrez, vous êtes jeune. Je vais vous expliquer une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit... Vous savez, j'ai fait chanter l'hymne russe à Helsinki. Cela dit, en effet, ne jamais accepter le moindre cadeau d'un homme politique. Je ne l'ai jamais, en ce qui me concerne, jamais accepté. Tous les journalistes, de télévision notamment, pourront vous dire ce qu'ils veulent là-dessus. C'est un phénomène inéluctable. Il est normal... qu'avec le pouvoir que nous détenons, celui de l'image, un jour ou l'autre, nous soyons totalement transparents. Nous réclamons la transparence des hommes politiques, des responsables, quels qu'ils soient. Alors nous devons être transparents. Moi, j'ai une cassette là qui me pose un problème moral. Je vous le dis tout de suite, c'est au sens que je ne sais même pas si je serais à votre place, je serais d'accord pour la diffuser. Mais je voulais vous la montrer, vous la connaissez sûrement, mais je voulais la montrer quand même. Et juste pour en discuter en tant que cas d'école. Je vous la donne tout de suite parce que j'ai apporté un petit magnétoscope pour que ça marche. Attendez une seconde. C'est quoi cette cassette ? C'est le fameux, vous savez, le truc qui a fait tout un radam au cadavre enchaîné sur une. D'abord, c'est illégal, c'est une conversation, si j'ose dire, privée, surprise par le satellite, entre Moujotte et Léotard. Comment il s'appelle ? Et Léotard. Bon. Ça dit, elle est plus. Moi, il y a quelque chose dans la vie, c'est-à-dire avec les gens comme avec les institutions que je ne supporte pas, c'est la duplicité. C'est-à-dire quand on fait le contraire de ce qu'on dit et qu'on dit le contraire de ce qu'on fait. C'est une émission d'information, c'est pas une émission de critique, d'accord ? C'est une émission d'information. Mais pas du tout. Mais votre opinion sur la télé, j'en ai rien à foutre. Et la mienne, vous en avez rien à foutre. Ou est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à bien en parler ? Ah, non, je parle pas très bien.
Moi, j'ai le sentiment que c'est ce que vient de dire Alex. Ce qui caractérise la télévision française, c'est sa liberté de ton. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement unique au monde. J'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là dans la plupart des grands pays occidentaux. C'est une carte blanche qu'on donne aux sociétés de production et aux autres chaînes. On donne un thème au départ, donc cette année c'est « La télé nous fait rire », 3 petits points. Des sujets de 13 minutes sur le thème « La télé nous fait rire ». On ne cache plus rien à la télévision, tout est dit. C'était pas le cas il y a 20 ans, c'était pas le cas il y a 25 ans. Bon, et en fait moi je me disais, qu'est-ce que tu penses de Jean Edernallier ? D'une nana de l'événement du jeudi qui fait un truc sur toi. Ouais. Elle me dit vous êtes le héros de son nouveau film. Ah ben oui, mais comme tous les gens de Canal+, hein. Elle me dit vous parlez dans le film, comment est-ce que je parle dans le film? Mais parce que je t'ai raconté, quand Canal avait censuré Pas vu la télé, ouais. Sachant que le sujet risquait de poser problème, j'avais enregistré toutes mes conversations avec Dana. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était pareil pour le vrai journal et que De Greff à nouveau remettait ça, ouais. Ben, j'ai fait pareil avec toi. Oh non. Bah écoute... Oh bah non. Bah quoi? Je sais pas, enfin ça se fait pas. Mais ça se fait pas quoi? Ça se fait pas parce que moi ce que j'ai essayé de faire c'était de te faire rentrer dans la machine télé. Là tu peux enregistrer comme tu veux. Non mais toi t'y es pour rien toi. Moi franchement j'ai fait tous les efforts, je t'ai expliqué pendant des heures qu'il fallait aller mollo. Tu fais le sujet, tu te débrouilles pour foutre Michel Field. Ouais. Tu veux dire je ne veux pas mentir? Bah parfois il faut mentir par omission. Tu comprends? Mais ça, c'est... Bah oui, non mais attends! Mais là, on n'a pas la même conception des choses. Mais on n'a pas la même conception. Attends, c'est pas ça. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu veux pas. Non mais moi, je cherche pas à intégrer une équipe à tout prix. Moi, je cherche à, essayer de montrer des choses que les gens... Voilà, par exemple, le fait qu'on puisse pas parler d'une personnalité publique comme Michel Field sur une chaîne comme Canal, je trouve ça pas normal, tu vois. Non? Tu es d'une naïveté extraordinaire. Tu es extraordinairement naïf. J'ai rarement vu ça. Je peux dire. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu fais comme tu le sens. Hein. Est-ce que tu vois la différence quand même, ou tu la vois même plus, entre TF1, France 2 et Canal+? Non, tu la vois pas. Si, il doit y en avoir une. Il y a une différence. Mmh. Et la chaîne où il y a le plus de liberté aujourd'hui, c'est Canal+. Mmh. Voilà, c'est tout. Tu vois, moi je préfère t'avoir à la télévision et que les gens voient tes trucs, même si tu dois pour ça les édulcorer, plutôt que rien voir du tout. Ben non, parce que après il n'y a plus de limite. Après t'édulcores, il n'y a plus rien. Quoi. J'ai une petite expérience à la matière, je sais bien quand on commence à faire des concessions, on ne sait jamais où on s'arrête. Bon, écoute, j'espère que vraiment tu vas réfléchir, parce que je trouve ça pas bien du tout. Mm. Pas bien du tout. Tu vois, je trouve que tu ferais mieux de venir avec nous et de m'écouter 5 minutes et tu t'en porterais que mieux. Mmh. Tu vois, c'est vraiment important ça. C'est idiot de faire un truc que personne ne voit, tu vois. C'est de faire ton circuit de machin, d'université et de machin. Non, mais c'est pour mes copains, tu vois. Mais oui, non, mais tes copains, c'est tes copains... Je leur montre de temps en temps ce que je fais, oui. Oui, bah tes copains, la première occasion, ils seront plus tes copains. Si, ouais, si, ils diront, oui, ils sont plus rien dur. Hein? Ils sont pas nombreux, donc tu vois. Tu fais le vide concentrique. Et même quand des mecs viennent te chercher... T'arrives à te mettre mal avec eux. Quel est l'intérêt? Explique-moi l'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire un travail. Mais ce travail, il est pour qui? C'est un travail à la télévision, ouais. C'est un travail de contre-information sur certaines choses. Attends, ce travail, il est pour qui?
Il est pour des gens qui sont intéressés par un travail de contre-information, notamment sur la télévision, tu vois. Et voilà, bon, s'il n'est pas possible de le faire, mais tant pis, j'attendrai pour le faire, tu vois, mais j'ai une seule qualité, c'est la ténacité. Donc je le ferai plus tard, hein. Bon, écoute, si tu veux, enfin, c'est pas gentil, allez. Bon, restons-en là, moi je suis vexé et triste. Allez, salut. Ciao.